Lancement officiel du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle Senia. C'était ce jeudi 16 mai 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie a rassemblé autorités ministérielles et administratives, acteurs de l'intelligence artificielle venus de différents pays, étudiants et plusieurs autres personnes. Placée sous le thème « L'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat numérique, la convergence des possibilités », ce Senia vise à apporter des solutions concrètes pour le développement durable du pays. Ce que je sais avec certitude, c'est que nous sommes une nation déjà très engagée dans le numérique, dans le développement numérique, dans la transformation numérique. Et nous l'assumons ouvertement. Il n'y a pas de tabou à ce niveau. Nous voulons utiliser les solutions d'intelligence artificielle pour adresser plus efficacement et plus rapidement nos problématiques de développement. Et nous voulons attirer, ici au Bénin, je l'ai dit, nous l'assumons, des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Et en plus, nous ne nous contentons pas de le vouloir. Nous agissons dans ce sens. L'intelligence artificielle devient de plus en plus aujourd'hui indispensable dans presque tous les domaines, ce qui justifie son intégration et sa mise en œuvre dans le système éducatif béninois. L'intelligence artificielle est une force transformatrice qui crée d'importantes mutations dans l'enseignement technique et la formation professionnelle aujourd'hui. En exploitant pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle, nous pouvons offrir une éducation de qualité, adaptée aux besoins du marché de l'emploi et préparer nos apprenants et nos élèves à réussir dans un monde en constante évolution et en constant progrès. Je suis convaincu que l'avenir de l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin passe par l'intégration des solutions d'intelligence artificielle. La cérémonie a aussi connu la distinction des lauréats du projet Hackathon multimodal et multilingue. Ils sont repartis avec des chèques allant de 650 000 à 2 millions. Ils vont également bénéficier de l'accompagnement du ministère du numérique et de la digitalisation. Je m'engage à ce que les lauréats que nous avons vus tout à l'heure, ces jeunes étudiants qui ont donné de leur temps, de leur énergie hier soir, c'est avec eux ici, que nous puissions les encourager à pouvoir voir leurs solutions implémentées réellement pour résoudre des problématiques concrètes. Satisfait des résultats obtenus à l'issue des différents travaux, quelques distingués livrent leur impression. Je suis très fière de ce qu'on a fait parce que les 3 jours-là étaient vraiment challengeants. On ne dormait pas. On était sur place, on travaillait de bout en bout chaque jour. On a rencontré des difficultés, mais comme une équipe telle que nous sommes, nous avons su les relever avec succès. Je suis particulièrement contente parce que ce hackathon, c'est vraiment un challenge. Nous avons veillé, nous avons fait beaucoup de recherches et nous sommes vraiment heureux de pouvoir remporter ce premier prix. La 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle Senia est rendue possible grâce à plusieurs partenaires, dont Canal+, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, Celtis Bénin, pour ne citer que ceux-là. La cérémonie a pris fin avec la visite des stands d'exposition.